Bonjour à tous. Alors, cette conférence-là va parler de cryptographie et de chiffrement. Alors, c'est les bases de la base de la base. C'est pour toutes les personnes qui s'intéressent au chiffrement et à la crypto et qui n'ont pas compris certaines choses. Qui, quand ils ont lu chiffrement asymétrique, se sont dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Pareil pour le symétrique, pour le hachage, pour les applications sous Android ou les logiciels sur Internet. C'est si vous avez envie de comprendre pourquoi il faut chiffrer ou pourquoi, enfin, qu'est-ce que la cryptographie, en gros, j'espère, vous êtes au bon endroit. Donc, comme je le disais, nous allons voir les bases de la cryptographie. Pourquoi il faut se protéger et avec quoi, évidemment, donc comment. Et surtout, on va avoir beaucoup d'exemples. Donc, que ce soit sur des applications et sur des logiciels et surtout sur des problèmes avec les logiciels. Donc, comme je le disais, ça va être très simple, cette conférence. Non, je déconne. En plus, ça n'a rien à voir avec de la cryptographie. Donc, avant de commencer, on va se mettre d'accord sur le vocabulaire. Que sinon, on va troller pendant à peu près toute la séance. Quand on parle de cryptographie, on parle de chiffrement et de déchiffrement. Vous oubliez décrypter, crypter, encrypter. Alors, encrypter en français existe, ça veut dire, en gros, enfermer quelqu'un dans une crypte. On va éviter, ça peut faire mauvais genre. Donc, on parle de chiffrer quand on veut coder un document. Et on parle donc de déchiffrer quand on veut décoder un document. On peut, à la limite, parler de décrypter dans un sens très précis. En fait, on va chiffrer un document quand on aura la clé pour chiffrer. On va parler de déchiffrer quand on aura donc la clé pour déchiffrer. Et on va parler de décrypter quand on n'aura pas la clé pour déchiffrer. Donc, par exemple, si vous voulez, dans l'idée de casser un code, vous allez le décrypter et non le déchiffrer. Donc, on va commencer. Chiffrement symétrique, on va voir le chiffrement asymétrique juste après. Le chiffrement symétrique, typiquement, c'est le chiffre de César. Donc, c'est un des plus anciens codes qui existent. L'émetteur et le récepteur ont la même clé. Donc, par exemple, le chiffrement de César, c'était, vous prenez l'alphabet et vous décalez les lettres d'un certain rang. Donc, par exemple, on va dire que A est égal à B, et donc vous décalez toutes vos lettres de 1. La clé ici, c'est donc 1. Donc, vous avez Alice et Bob qui veulent échanger un message. Oui, alors il faut le savoir, en crypto, quand il y a un exemple, c'est toujours Alice et Bob. Si ce n'est pas Alice et Bob, ça ne peut pas marcher. Donc Alice veut chiffrer un message pour Bob. Le problème avec le chiffrement symétrique, il y a une obligation, c'est qu'il faut pouvoir donner la clé à l'autre, sinon il ne pourra pas le déchiffrer. Et ça a été le plus gros problème dans l'histoire de la cryptographie. Il fallait pouvoir donner la clé. C'est-à-dire qu'au moment où je la donne, si par exemple je veux chiffrer avec la personne qui est juste là, si je fais « Bon, écoute, j'ai un message pour toi, la clé c'est 2223 », normalement tout le monde a entendu, j'espère pour vous, et donc tout le monde est capable de déchiffrer. Donc il a toujours fallu passer ce code de manière discrète. Donc, si Alice arrive à donner la clé à Bob, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le donner par Internet, vous êtes obligé de le faire en main propre. Déjà, sinon, vous n'êtes pas sûr de la personne qui est en face. Vous êtes sur le net. Bonjour, enchanté, tiens, voilà, je voulais te passer ça, voici la clé. Comment vous pouvez être sûr que c'est la bonne personne? Donc, vous êtes obligé déjà de rencontrer la personne. S'il y a une personne, par exemple, dans l'idée qui est en Suède, en France, et l'autre qui est en Syrie, par exemple, en ce moment, et qui a besoin de sortir des informations, vous n'allez pas aller faire le trajet en Syrie et faire, tiens, bonjour, enchanté, excusez-moi, passage de frontière, faut que j'aille donner ma clé à quelqu'un, c'est pour échanger des trucs, pour faire tomber le gouvernement. Normalement, ça passe pas trop bien. Donc, il y avait ce problème-là. Mais, imaginons, si Alice arrive à donner sa clé à Bob, elle pourra donc envoyer un message de manière, en chiffrement symétrique. Et donc, Eve, qui est sur la route, alors c'est géant, il faut le savoir, je sais, c'est très ressemblant, hein, mais... si Eve, on ne peut pas l'appeler Déant, Eve, c'est pareil, en crypto, c'est toujours la personne qui est au milieu et qui essaye d'intercepter les messages. Si Eve arrive à avoir le message, vu qu'elle n'a pas la clé, elle ne pourra pas déchiffrer le message. Donc, et évidemment, une fois que Bob a reçu le message, il a la clé, donc il peut déchiffrer. Jusqu'à là, j'espère que ça va. Oui ? Ok. On va passer au chiffrement asymétrique.
Et là, souvent, c'est là où les cerveaux commencent un peu à fumer, quand on essaye de s'intéresser à la cryptographie. Parce que, en fait, la clé donc, n'est pas la même pour chiffrer et pour déchiffrer. Si Bob veut envoyer un message à Alice, Bob va créer sa clé publique. Tout le monde a donc une clé publique et une clé privée. Évidemment, sa clé privée, on la garde précieusement pour soi. C'est le truc que vous gardez normalement dans 2-3 endroits différents, chiffrés, avec 4 trucs différents. Personne ne doit y avoir accès. C'est dans certains domaines, c'est votre vie qui est en jeu, cette clé privée-là. Et la clé publique, par contre, tout le monde peut l'avoir, c'est pas grave. Donc on va la mettre sur un serveur distant, on s'en fout, tout le monde peut y avoir accès. Et si Alice décide d'envoyer un message, par exemple, à Bob, elle va dire, bon, bah voilà, donc il s'appelle Bob, je vais rechercher sa clé sur Internet, elle prend sa clé publique, elle chiffre le message avec sa clé publique, et là, il n'y a que Bob qui est capable de déchiffrer le message avec la clé privée. Est-ce que, pour l'instant, ça va? Oui. Un exemple simple. L'idée de mettre la clé publique sur un serveur, ça équivaudrait, par exemple, à avoir un coffre-fort en libre accès. Vous avez un magasin, par exemple, où chacun peut mettre son coffre-fort ouvert. Si, par exemple, je décide d'envoyer un message à quelqu'un, je vais dans ce magasin, je prends le coffre-fort, je mets le message que je veux faire passer dedans, je referme le coffre-fort, il n'y a plus qu'une seule personne qui est capable d'ouvrir, c'est la personne qui a la clé. C'est le principe du chiffrement asymétrique. Tout le monde, en gros, peut mettre ce qu'il veut, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut déchiffrer, c'est la personne qui a la clé privée. C'est, par exemple, le fonctionnement de GPG, pour, entre autres, utiliser dans les mails. Vous avez, donc là, on peut reprendre l'exemple de la série, vous voulez envoyer un mail à un insurgé, par exemple, pour avoir des nouvelles, pour savoir ce qui se passe. S'il suffit qu'il se crée une clé GPG, vous avez la clé publique et vous pouvez lui envoyer un mail. Il n'y a pas besoin de le rencontrer. Alors, petite note tout de même, il n'y a pas besoin de le rencontrer. Après ça, ça dépend du niveau de confiance que vous avez. Parce que c'est bien quand même de temps en temps de vérifier que la clé correspond bien à la personne. C'est pour ça que dans certains événements, d'ailleurs je ne sais pas s'il va y en avoir un ce week-end, mais on va organiser ça, il y a une case-in party. Tout le monde arrive avec son ordi, ses clés, et on dit bonjour, bah voilà, moi c'est Stain, ma clé c'est ça, j'ai à la limite mon papier d'identité disant bah voilà c'est bien moi, et du coup la personne en face dit ah donc c'est bien toi, ok je peux vérifier ton identité. Le hachage, alors c'est plus ou moins de la crypto, en fait le hachage, et vous allez comprendre à quoi ça sert surtout par la suite, c'est un algorithme à sens unique qui permet de créer l'empreinte de quelque chose. Par exemple, j'envoie un fichier à quelqu'un disant « nous venons en paix ». En dessous, vous avez l'empreinte de cette phrase. Et normalement, si vous le faites sur votre ordinateur, vous créez un fichier, vous marquez « nous venons en paix », sans faute d'orthographe bien entendu, avec un point à la fin, vous aurez la même empreinte que moi. Et si je fais le même fichier, mais sans le point après, vous pouvez voir que l'empreinte n'est pas du tout la même. Et ça, c'est particulièrement important lors de l'utilisation de certains logiciels. Par exemple, vous voulez télécharger Tor, qui est un logiciel qui permet de, en gros, passer la censure, pour faire très très simple, on va reparler après. Vous allez le télécharger, mais vous n'êtes pas sûr de savoir d'où ça vient. Vous n'êtes pas sûr de si c'est la bonne version, en fait. Normalement, l'éditeur, sur le site, vous aura mis l'empreinte du logiciel que vous venez de télécharger. Si vous téléchargez, donc, par exemple, l'install de Tor, et vous faites, donc, par exemple, là, c'est du SHA-2, vous le faites et vous avez la même empreinte des deux côtés, ça veut dire que vous avez le bon logiciel et que vous pouvez l'utiliser. Par contre, vous le téléchargez, vous n'avez pas la bonne empreinte, il y a un problème. Donc, soit vous êtes foiré, soit, en gros, l'archive est corrompue, soit c'est parce que ça semble être. Et par exemple, on peut dire que c'est un gouvernement qui l'a mis en douce en espérant vous piéger. Donc, souvent, ça semble bête. Quand je télécharge des ISO de Linux, par exemple, on va dire Ubuntu, Debian ou n'importe quoi, je ne fais pas gaffe. Quand vous commencez à avoir des vies entre les mains, quand vous commencez à parler à des insurgés, quand vous commencez même à parler à des amis à l'autre bout de la Terre, il faut commencer à faire très attention à ça. Parce que c'est le point le plus important de la conf, en fait. Quand vous commencez à vous habituer à utiliser quelque chose d'une certaine manière, le jour où vous allez en avoir vraiment besoin, vous allez faire de cette même manière. Si vous êtes habitué à utiliser, par exemple, MSN,
truc à la con. Le jour où vous allez en avoir besoin, enfin, le jour où vous allez avoir besoin de quelque chose pour contacter quelqu'un, la première chose, c'est je connais MSN, je vais l'utiliser. Sauf que bah, là, la personne qui est en face de vous, si elle est en danger de mort, elle a toutes les chances d'y passer et vous avez potentiellement une chance d'y passer aussi. C'est pas sécurisé. C'est pareil, il y a Skype et il y a eu le problème avec Telecommits, par exemple, avec des journalistes. Le journaliste, il veut. Tiens, j'aimerais bien faire un article sur la Syrie, je vais contacter un insurgé, je vais faire un putain d'article. Je vais utiliser Skype. Skype, c'est bien, c'est connu, c'est chiffré, nickel. Bah non, en fait. Et vu que vous avez toujours utilisé Skype, ça vous semble naturel de l'utiliser. Et hop, c'est foutu. Vous pouvez parler avec les journalistes, et je me suis engueulé avec ma famille pas mal de fois à ce sujet-là. C'est pas parce que vous utilisez un truc que c'est le grand public, que c'est le bon choix. Et c'est d'ailleurs rarement le bon choix à faire pour ce genre de choses. Il faut faire très très attention à ça. Donc, petite liste d'empreintes, pareil. Quand vous utilisez, quand vous voyez dans un logiciel la liste les ados de chiffrement ou de hachage utilisés, renseignez-vous un minimum. Vous avez par exemple, j'ai trouvé un super logiciel, il y a du MD4 dedans avec je sais pas quoi. Ben non, le MD4 c'est obsolète depuis longtemps. Le SH1, faites gaffe. Réfléchissez. C'est le deuxième point important. Réfléchissez. Si vous avez un logiciel n'importe quoi, vous devez communiquer, surtout avant d'utiliser quelque chose, réfléchissez, renseignez-vous. Pensez, il y a des vies en jeu. J'ai tilté là-dessus où j'ai eu, le jour où j'ai dû envoyer une liste de contacts en Syrie à quelqu'un que je ne connaissais pas. Je fais mon mail, je prends GPG, nickel, je prends sa clé publique. Et au moment d'appuyer sur envoyer, je me dis, oh là. Là, j'ai potentiellement la vie de 20 personnes entre les mains. Bizarrement, à ce moment-là, vous ne voyez pas du tout les choses comme avant. À ce moment-là, j'ai appelé un pote. Ouais, voilà, est-ce que tu connais machin? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que je peux lui envoyer? Ouais, pas de problème, vas-y. Et là, vous pouvez. Réfléchissez, renseignez-vous. Alors, on va passer aux vérifications. Alors, il y a plusieurs choses. Je parlais tout à l'heure, par exemple, pour GPG, des fois, c'est bien de vérifier l'identité. Il y a plusieurs façons de le faire. On parlait des casing in party tout à l'heure, c'est le plus simple. Vous arrivez à être des papiers d'identité. Ou juste votre tête, des fois ça suffit. Par exemple, le problème, c'est si je me présente à une casing party, « Hey, salut, je m'appelle Stein. Parfait, ok, t'as tes papiers d'identité ?»« Ouais, mais c'est pas le même nom dessus, en fait, ça va être problématique. » Donc, il y a d'autres moyens. Vous avez l'empreinte, vous avez ça par exemple dans GPG, vous avez ça dans Tête Sécure aussi, c'est vachement bien en soirée pour mettre de l'ambiance. On a testé il n'y a pas longtemps. C'est mieux encore s'il y a des non-geeks dans la salle. Dis donc, est-ce que tu as ton empreinte? Ouais, bien sûr, attends, bouge pas, donc t'es prêt? Ok, faut le faire en deux inspirations, sinon c'est pas drôle. 0102 Echo 4 8 9 7 6 9, bravo, 9 1 8 9 5 1 0 7 3 3 0, Charlize 3 3 0 7 0 Echo, 5 1 0 Echo 6 Delta 2 5 2 2 Delta 0 9 1 8 0 4 Delta, Echo Charlie 4 2 1 0 Delta, Foxtrot 2 9 1, bravo, 6 1 Echo 8 Delta Delta 6. Là normalement vous retournez. Alors, normalement, en soirée, ça fait pas ça. Normalement, vous vous retournez et là, vous avez 10 personnes comme ça. Ouais, non, en fait, c'est de la crypto, j'ai changé mes clés. Oui, bien sûr, ok. Essayez, vous allez voir, c'est super fun. Vous avez le secret partagé, c'est aussi le truc le plus facile à faire. C'est par exemple, mon mot de passe, ça va être poney. On va vérifier, par exemple, on se fait une session OTR, un chat chiffré. On s'est mis d'accord la dernière fois qu'on s'est vu, et voilà, quand on va se connecter, le mot de passe, ça sera poney. Truc à la con, ça marche toujours. Question-réponse. Ça, je l'ai fait avec Jordan un jour, je crois. J'ai pas pu venir au RMLL l'année dernière parce que j'avais un mariage, j'ai pas eu le choix. Et on se fait une session, et puis on voulait vérifier que c'était bien ça. Question à la con. Dis donc, en fait, pourquoi t'es pas venu au RMLL la dernière fois? J'étais à un mariage. Ok, c'est bon. Ok, merci. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous le faites à l'oral, donc vous vous mettez d'accord sur un truc et vous le faites comme ça à l'arrache.
Soit, par exemple, c'est le cas sur OTR, sur Jabber, la première personne définit son pass, on va dire, définit la question et la réponse, et la deuxième personne, en fait, sera obligée de mettre la réponse à la lettre prête. Donc là, par exemple, pour le coup, je reprends l'idée du mariage, donc Gordon, par exemple, a défini que la question, c'était « Pourquoi n'as-tu pas pu venir au RMLL l'année dernière ?» La réponse, c'est « J'avais un mariage. » Moi, le moment où j'arrive, il va falloir que je rentre le pass, il va falloir que je pense déjà à comment il a réfléchi pour le marché si je ne suis pas au courant, et il va falloir que j'écrive « J'étais un mariage ». Si je dis « J'avais un mariage », ça ne passera pas. Donc, il faut aussi faire gaffe à ça. Vous avez le QR code, qui est une jolie invention et qui évite de se taper des trucs comme ça en soirée. Vous arrivez, donc c'est par exemple ça pour tête sécure, dont je vais parler tout à l'heure. Vous avez votre téléphone, vous avez votre scanner de QR code. La première personne prend son téléphone, ouvre tête sécure, met son QR code. La deuxième personne arrive, ouvre tête sécure, fait scanner un QR code, scanne. La clé est validée, ok, vous faites dans l'autre sens, et du coup c'est validé. C'est beaucoup plus rapide, et ça permet de passer un peu plus discrètement, et c'est vraiment, vraiment plus rapide. Alors, un autre point important. Est-ce que dans la salle, quelqu'un utilise Ultrasurf ? Levez pas la main ou vous faites lapider. Je dis ça comme ça. Ultrasurf, c'est un petit soft, perso, j'en entends plus parler depuis un petit moment, mais ça a été beaucoup utilisé pendant un moment. Ça a été utilisé, entre autres, par certaines personnes lors des révolutions arabes, partout dans le monde. On ne sait pas d'où ça vient. Si vous voulez plusieurs renseignements, je vous conseille d'en parler de Bluetooth, qui a sorti des très très beaux papiers là-dessus l'année dernière. On ne sait pas d'où ça vient. Par contre, quand on commence à regarder le code un peu plus précisément, des trucs vraiment très très bizarres. Malware, Trojan, il y aurait des liens avec la CIA... Il y a des liens qui envoient vers des serveurs, on ne sait pas d'où ça vient. Vous utilisez ça chez vous, les mots de passe que vous rentrez dessus, vous ne savez pas où ils passent. Mais ce n'est pas dans un bon endroit. Vous êtes en Syrie, en Libye, vous avez la police militaire à vos trousses, vous êtes certain d'y passer si vous vous faites choper. Vous utilisez un truc comme Ultrasurf, à la limite, allez creuser votre tombe tout de suite. Dans un logiciel de crypto, et quand on parle d'activisme, et même à la limite de journalisme, les trois points en bas, ça peut sauver des vies, et ça sauve des vies. Un logiciel de crypto, ça doit être open source. On doit pouvoir voir le code. On doit pouvoir auditer le code. Si on ne peut pas auditer le code, on ne sait pas ce que ça fait. Quand Skype vous dit, il n'y a pas de problème, c'est chiffré. Quand BlackBerry vous dit, notre réseau est sécurisé, on n'a pas de problème, on est clean, j'aimerais savoir pourquoi au Québec, il y a des mafieux qui ont réussi à se faire remonter par la police. Ils ont réussi à avoir le code. Quand, dans un autre joueur, BlackBerry vous dit « Notre réseau est sécurisé », bah non, c'est centralisé, tout passe par vos serveurs. Non, ce n'est pas sécurisé. On n'a pas de ça à vos codes, on n'a pas de ça à vos serveurs. Si, et c'est déjà arrivé, vos serveurs tombent, il n'y a plus rien. L'année dernière, les serveurs de BlackBerry sont tombés. Il y a eu un trou pendant un moment. Plus de communication, plus de SMS, plus d'appels, nada. Maintenant, vous imaginez la même chose. Alors, il y a des softs qui font ça. Il y a Tryptos, par exemple, une boîte américaine, si je me rappelle bien, Tryptos Communication. Donc, c'est de la VoIP chiffrée, donc ça doit être de l'AES. Sur le papier, c'est très beau. Par contre, ça passe sur leur serveur. Donc là, il y a plusieurs points. Si les serveurs tombent, qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus communiquer. C'est leur serveur. Est-ce que nos communications qui passent sont chiffrées? Est-ce qu'ils gardent nos communications? Est-ce que ce qu'ils disent, ouais, c'est chiffré en AES 128, ouais, trop bien, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'eux, ils ont la clé pour déchiffrer? Et il y a plein de questions qu'on peut se poser comme ça. Sur le papier, c'est magnifique. Franchement, je l'ai... Vous voyez ça, oh, ouais, c'est trop bien, allez, vas-y, je vais me payer un ATS, ça a l'air vachement bien. Bah non, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et en plus, notez bien, c'est une boîte commerciale américaine qui a donc des obligations légales, et en gros, si la NSA ou le CIA se ramène en disant « dis donc, on aimerait en être à vos serveurs », ils n'ont pas le choix. Perso, je ne fais pas confiance, après ça, c'est à vous de voir. Et donc évidemment, deuxième chose, un algo crypto, ça doit être audité. Il faut pouvoir voir ce que ça fait. J'ai un bon exemple là-dessus, après, vous allez comprendre très vite pourquoi. Et c'est massivement utilisé. Un algo que vous avez créé vous-même,
Et que vous le gardez pour vous-même, vous ne pouvez pas savoir s'il est sécurisé ou pas. Il faut qu'il y ait des personnes qui se penchent dessus, qui l'utilisent. Et le mieux, évidemment, si vous faites une bonne grosse bêta test avant, avec plein de personnes. Des personnes vont pouvoir lire le code, regarder comment ça marche. Voilà. Et là, on pourra avoir une idée. Par exemple, l'algo RSA qui est utilisé depuis des années, on est quasiment sûr, on va dire qu'il est sûr maintenant, parce que justement, il est utilisé depuis des années. Il a été audité par des dizaines et des dizaines, voire des centaines, voire même des milliers et des milliers de personnes, et qu'il est utilisé partout. Et ça, même, pas forcément une bonne idée. Les questions, c'est à la fin. Donc, un autre truc. Est-ce que, quand vous téléchargez une application, en particulier sur Android, je ne connais pas les autres, vous regardez les droits que ça demande? Tous? Je ne vous crois pas. Alors ça, c'est par exemple, je crois que c'est la pierre que j'ai trouvée. Bon, je n'ai pas cherché beaucoup, je vous rassure. Donc c'est une application, c'est un truc de wallpaper. C'est juste des fonds d'écran. Ok? Je regarde ça, je vois ce que ça demande. Pour moi, il y a un problème. Un truc pour m'afficher des images en fond d'écran qui me demande si elle peut appeler directement un numéro de téléphone. Déjà, il y a un problème. Qui peut enregistrer un fichier audio et passer un numéro de téléphone avec ma position géographique, un accès à Internet intégral, donc elle fait ce qu'elle veut, avec mon historique, les favoris du navigateur, sinon c'est pas drôle. La modification de l'historique. Ah, et puis aussi l'état et l'identité du téléphone. Pour un fond d'écran. C'est vachement bien. Ça, c'est un truc. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas gaffe. Normalement, quand vous commencez à vous intéresser un peu à la sécu, vous commencez quand même à faire gaffe. Quand vous avez un truc de crypto, par exemple, enfin, même pas un truc de crypto, je repense, quand j'ai eu mon téléphone Android, j'ai voulu installer un réveil. Je prends mon téléphone, je recherche réveil, oh, vas-y, celui-là a l'air pas mal, je regarde les autorisations et j'avais peut appeler des numéros sur Tatsi, peut accéder à votre carte SD, machin. Un réveil. Il y a un problème. Encore une fois, réfléchissez. Un truc comme ça, il ne faut pas l'installer. Et si vous avez, par exemple, une application pour les SMS qui ne fait que SMS et qui demande à pouvoir appeler, il y a un problème. Voilà. Là, c'est là que, justement, l'ouverture du code est très importante. Il y a eu un petit soft qui s'appelait TripTweet, qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'était en bêta. Alors, l'idée en elle-même est assez saugrenue, c'était pour chiffrer, avec un chiffrement fort, les messages privés sur Twitter. C'était suite au problème qu'ont eu Applebaum et puis d'autres personnes avec une enquête des États-Unis sur le dos. Certaines personnes se sont dit que ça serait vachement bien si on pouvait chiffrer les messages privés sur Twitter. On va faire ça. C'est sorti. Et peu de temps après, parce que le code était ouvert, on a vu que l'implémentation de l'algo DES3 n'était pas bien faite, que l'utilisation de certains paramètres n'était pas bien faite, et que, en fait, bah, un truc qui vous vendait du chiffrement fort, ce n'était pas le cas. Là, on peut le lire. Là, on peut le savoir. Maintenant, je parlais de Cryptos Communication tout à l'heure. Comment vous pouvez savoir que ce n'est pas la même chose? Soft, pas ouvert, vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué AES que c'est bien. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué Diffie-Hellman que c'est bien. Il faut vérifier. Alors, un autre truc aussi. Ça voulait implémenter donc un chiffrement fort sur des messages privés sur Twitter. Déjà, un, est-ce que envoyer des messages chiffrés sur Twitter, c'est une bonne idée? Est-ce que envoyer des messages privés sur Twitter pour des trucs qui méritent d'être chiffrés, c'est une bonne idée? Boîte américaine, réseaux sociaux, perso, je ne suis pas fan. Un truc con, si vous devez faire ça, déjà, vous avez PGP, vous chopez la clé publique de l'autre, et à la limite, si vous voulez, vous lui pastez ça si vous n'avez pas d'autre moyen de faire autrement. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Ça va troller un peu. Donc, on a parlé de Skype. Bon, Skype est sécurisé, il paraît, il y a du chiffrement, il y a plein de choses, c'est bien, c'est top, mangez-en.
vous pouvez aller dire ça aux Libyens, aux Tunisiens et aux Syriens, il y en a qui ne sont plus là pour le dire. On peut parler chiffrement et sécurité, c'est ce que je vous disais, c'est pas open source, même s'il y a eu des audits de fait, on ne sait pas comment ça se passe. On a parlé d'Ultrasurf, qui est une merde infâme. Vous pouvez aller voir sur le site, entre autres, de reflet.info, vous recherchez Ultrasurf, vous allez voir, il y a du très très lourd là-dessus, et c'est du très 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 violent. Il y a eu aussi une étude de Jacob Applebaum dessus, donc un des développeurs de Tor et un grand paranoïaque. C'est du bon. Vous pouvez le lire aussi, ça donne envie. Alors ça, c'est un truc à la con, c'est juste pour vous montrer le problème des trucs centralisés. Je crois que c'est Seb Sauvage qui avait fait un article là-dessus il n'y a pas longtemps. Il parlait donc via XMPP, donc en gros c'est de messagerie instantanée, avec un de ses potes, qui lui envoie un lien. Et en fait, il s'est rendu compte que le lien qui lui était envoyé n'était pas le même à l'émission et à la réception. En fait, le lien, en passant par les serveurs de Facebook, a été refait. Et donc, quand vous cliquez sur le lien, vous passez automatiquement par les serveurs de Facebook pour accéder au site, par exemple, qu'on vous a donné. Ça vous semble peut-être con comme ça, mais ça veut dire que, par exemple, un pote m'envoie un lien vers YouPorn, je clique dessus, Facebook sait que j'étais sur YouPorn. Ça peut sembler con. Perso, ça me dérange. C'est, évidemment, YouPorn n'est qu'un exemple. On a parlé donc évidemment de BlackBerry, donc architecture centralisée, problème de chiffrement. Réfléchissez encore, toujours. Et l'iPhone, donc, c'est pas centralisé, mais niveau boîte noire, je crois qu'on n'a pas fait mieux. Vouloir chiffrer un truc... Alors là, quand je parle de chiffrer, c'est vraiment à un haut niveau. Hein. Il y a des risques, on va dire, de mort ou de choses comme ça. Genre, vous avez vraiment, vraiment besoin de vous protéger. Vous êtes vraiment dans la merde. Vous avez la DCRI au-dessus. Vous êtes journaliste. Ça revient un peu au même. Vous avez un iPhone et vous voulez vous protéger avec un iPhone. C'est une connerie. Vraiment. Oui, voilà, jetez-le. Jouez au frisbee avec. Prenez une vidéo, ça fait plein de hits sur YouTube. C'est complètement hallucinant de seulement penser à faire ça. Je ne vais pas chiffrer une communication sur un truc, je ne sais pas ce que ça fait. C'est vraiment une connerie. Et là, on va passer à la partie sympa. Des petites applications pour Android, je ne vais pas en mettre pour iPhone, c'est pas intéressant. BlackBerry, pareil. Le premier, que je crois que c'est un de mes préférés, qui est très sympa, très facile à utiliser, c'est donc Tête Secure. Ça a deux fonctions. Ça permet déjà, un, de stocker vos SMS, que ce soit reçu ou envoyé, sur votre téléphone, dans une base de données chiffrée. En gros, on me pique mon téléphone, on ne peut pas lire mes SMS. Le deuxième, qui est très sympathique, c'est que si la personne à qui vous parlez a aussi Tête Secure, vous pouvez initier une transmission chiffrée donc via OTR. Alors, juste comme ça, petit aparté, s'il y a des termes que vous ne connaissez pas ou vous voulez avoir des renseignements un peu plus amples comme OTR, vous allez sur le site cypher4.eu. Oui, c'est de la pub, c'est moi qui l'ai fait. Mais... Si vous réfléchissez à des algos ou des choses comme ça, vous voulez savoir ce que ça fait, vous avez une mini synthèse dessus. Donc là, si par exemple OTR, vous vous demandez ce que c'est, vous allez dessus, vous allez dans la rubrique chiffrement et vous regardez ce que c'est. Donc je disais, ça permet donc d'initier une session chiffrée avec la personne qui est en face. C'est-à-dire que si quelqu'un, on va dire, écoute vos communications, c'est impossible de lire les SMS. Et ça se fait vraiment de manière très 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 simple. D'ailleurs, on parlait du QR code tout à l'heure, celui-là, ça permet de vérifier que c'est bien moi qui suis en train de parler. Pas tout de suite au micro, hein, sur Tête Secure. Orbot, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le réseau Tor dans la salle? Merci. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais ils n'osent pas lever la main. Donc, alors, pour faire de manière très très simple, sans rentrer dans les détails techniques, Tor, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de bien contourner la censure. En fait, donc vous êtes chez vous, le Tor va passer par trois points différents avant de rejoindre là où vous voulez vous connecter. Donc, par exemple, on va reprendre l'exemple de la Syrie, parce que c'est un des meilleurs exemples pour le moment. Ça, vu que la communication entre ces trois points est chiffrée, on ne pourra pas voir ce qui se passe dedans. Ça permet d'avoir... ça permet d'être anonyme. Anonyme, jusqu'à un certain niveau, Tor tout seul ne permet pas d'être anonyme, il y a d'autres choses à mettre en plus.
Mais donc, ça permet beaucoup de choses. Donc, Orbot, une application Android, permet d'utiliser Tor sur un téléphone Android. Attention, note, Orbot bouffe la batterie. En gros, quand vous allumez Orbot, vous entendez limite votre batterie se vider. Limite. Mais ça peut valoir le coup. DeeperBot. Donc ça, c'est messagerie instantanée via XMMP. Ça, donc vous avez XMMP, donc, qui est un protocole de discussion instantanée utilisé par un peu tout le monde. Entre autres aussi Google Chat et Facebook. Même si Facebook, c'est un peu modifié, on va dire. Qui donc, peut contourner les firewalls et les filtrages via Tor. Et qui permet un chiffrement de point à point via OTR. Donc du coup, ça vous permet de chiffrer votre conversation avec quelqu'un en contournant la censure et donc sans se faire voir, en gros. C'est aussi très très pratique. Donc par exemple, vous êtes dans la merde, au lieu d'utiliser MSN ou le chat de Facebook, vous utilisez ça. Alors là, on va passer à la VoIP. Alors il y a deux choses. C'est deux applications différentes. Vous avez Ccip Simple, qui est une référence dans le monde de la VoIP, entre autres pour Android, qui est très simple d'utilisation. Et vous avez Hostel, donc, qui est développé par The Guardian Project, que je vous conseille grandement. C'est en bêta en ce moment, mais ça devrait envoyer du stretch sévèrement dans les jours qui arrivent. C'est en bêta public, donc vous pouvez le tester maintenant si vous voulez. Donc Hostel, il me semble que Ccip Simple aussi font partie de l'OSTN, donc c'est donc l'Open Secure Telephony Network. Ça a pour but de démocratiser la VoIP dans un environnement chiffré. En gros, bientôt, j'espère, il y aura plus. Enfin, vous n'allez plus téléphoner avec votre téléphone comme ça. Vous allez utiliser des applications comme ça pour téléphoner par défaut. Que j'en reviens encore une fois, si vous êtes habitué à téléphoner normalement, le jour où vous allez avoir besoin de chiffrer votre conversation, vous avez toutes les chances de zapper. Vous avez un putain de dossier à donner à un journaliste, vous l'appelez par un téléphone normal. Eh, dis donc, j'ai les plans de la bombe nucléaire française avec des liens vers l'Iran, la Chine et machin. Vous êtes sûr de vous faire choper. Là, pour le coup, c'est aussi une grosse connerie. Vaut mieux passer par des trucs comme ça. Donc, encore une fois, vous avez les méthodes de chiffrement en dessous. Vous les avez sur CipherCat si vous voulez avoir un peu plus de détails. Celle-là, c'est ma préférée. C'est la plus drôle. Ça peut aussi effacer tous vos téléphones. Vous avez deux trucs. Ah, il va me falloir un cobaye aussi. Donc, décidez-vous. Non, c'est pas pour effacer un téléphone, vous en faites pas. C'est juste pour spammer. Vous avez donc un téléphone. Vous lancez l'application et vous avez trois choses. Emergency SMS, data wipe et un gros bouton rouge marqué panique. Souvent, quand il y a un gros bouton rouge marqué panique, c'est du bon. Emergency SMS, ça peut servir à tout le monde, même si vous n'êtes pas CypherPunk, même si vous n'êtes pas poursuivi par la DCRI. Voilà, si vous êtes dans la merde, ça peut servir. Le bouton Emergency SMS, ça permet d'envoyer un message préprogrammé à une liste de contacts préenregistrée. En gros, je peux dire que si j'appuie sur le bouton Emergency SMS, ça envoie le message « Ah, ah, je suis dans la merde, viens m'aider au secours, vite, please, s'il te plaît !» à 10 contacts. Genre, dans l'idée, mes parents, mon meilleur pote, un mec qui habite en Chine parce que je trouve ça fun, et puis deux autres personnes. Par exemple, il y a plusieurs cas d'utilisation. Vous allez en manif, vous voyez les CRS... arrivé, vous savez que c'est pour votre gueule, vous prenez votre téléphone, je suis dans la merde, je vais me faire arrêter. Le message est déjà enregistré, vous l'envoyez. Vous êtes de télécommit, au pif. Vous avez un rendez-vous avec la DCRI, au pif. Au pif. Ou pas de rendez-vous, mais vous savez qu'ils sont après vous. Et vous avez besoin de prévenir des gens au cas où. Vous pouvez très bien mettre le numéro de votre avocat là-dedans, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très très vaste. Juste, vous avez besoin de prévenir quelqu'un en cas de problème et vous ne voulez pas appeler, prendre votre téléphone et faire « Ah, merde, vous êtes par terre en train de mourir, alors merde, j'appelle qui ?» Voilà, ça peut vraiment servir pour tout le monde. Le bouton « Data Wipe », il est bien. Vous pouvez en fait décider en appuyant sur ce bouton d'effacer plusieurs choses. Vos contacts, vos photos, vos appels, tous vos SMS, votre calendrier et votre carte SD.
C'est très pratique, mais très visible en cas d'adultère. Si vous vous êtes fait choper par votre copine ou votre copain, vous appuyez là-dessus, au moins elle ne saura pas qui c'est, mais je crois qu'elle aura des doutes, il n'y aura plus de carnet d'adresse. Donc c'est là, par contre, évidemment, ce n'est pas pour une utilisation par tout le monde. C'est un peu plus restreint, on va dire, mais c'est pareil, ça peut sauver des vies. Vous êtes journaliste, vous avez eu un putain de gros dossier il n'y a pas longtemps, vous avez le contact sur votre téléphone, vous vous faites choper. Le bouton, bon, alors, on va finir par ça, mais le bouton panique, ça fait les deux en même temps. Vous avez deux cas d'utilisation, soit vous appuyez sur le bouton panique et vous avez 5 secondes pour annuler, soit vous appuyez sur le bouton panique et ça envoie tout directement. Donc vous savez que vous avez le choper, il faut juste sortir le portable, appuyer sur le bouton et c'est bon. À ce moment-là, il faut le savoir, je me suis fait avoir, le bouton panique envoie donc un SMS toutes les 45 secondes. Donc, quand vous n'êtes pas au courant et que vous avez un pote qui est en train de tester l'appli de l'autre côté, bizarrement, il se plaint du spam. Il faut le savoir. Donc, si vous appuyez sur le bouton panique, soit vous avez donc 5 secondes pour annuler, soit ça passe direct. Si ça passe direct, vous envoyez donc un SMS. Mathieu, tu es dans la salle. Tu peux sortir ton téléphone, s'il te plaît ? Non, c'est juste la liste. Oh, attends, je vais faire plus rapide. Je vais vous montrer ce que ça fait. Et donc, ça efface toutes vos données, ça efface pas juste, ça réécrit des zéros partout. Donc, c'est pas juste j'efface comme ça au pif. Oh, je testerai pendant la question, il faut que je re-rentre un numéro du coup. En gros, dans les SMS que vous envoyez, il y a deux SMS normalement. Il y a un SMS qui va donner votre message. Et après ça, vous allez avoir une liste d'informations. C'est-à-dire, vous avez le numéro email et vous avez 5 ou 6 trucs dont certains dont vous n'avez jamais entendu parler. Et entre autres, la date et l'heure. Comme ça, on sait à quelle heure c'est arrivé. Autre chose auquel il faut penser, un SMS qui part toutes les 45 secondes, c'est chiant, mais ça peut être utile. Déjà, ça spam, donc au moins, on ne va pas vous oublier. Un autre point, c'est ça peut permettre éventuellement un suivi GPS. Donc, dans l'idée, toujours une idée, vous vous faites kidnapper, par exemple, un truc dans ce genre-là, ou emmené par la police ou n'importe quoi, on peut vous suivre à la trace. Et donc savoir où vous allez et où vous êtes. Ça semble con comme ça, mais ça peut être utile. Donc, on a une liste de logiciels, ça c'est entre autres sur ordinateur. Vous avez donc, par exemple, GPG pour les mails, vous avez CSIPSimple, Jitsi, I Hear You, SFLN Phone, et donc par exemple Mumble, que beaucoup de personnes doivent connaître dans la salle, qui n'est pas exactement la même utilisation, mais qui est quand même très utile. Vous avez des outils comme Tor et I2P, et vous avez donc évidemment OTR pour le chat. Vous avez TorChat, donc qui est basé sur Tor pour parler. C'est très peu utilisé, mais c'est très sympa. Là, par exemple, c'est toujours... vous êtes en Syrie, typiquement, en Libye. Ils sont très bons comme exemple, hein, donc je vais les garder. Mais c'est le genre de soft qui est vraiment très très bien, parce que ça va contourner la censure tout seul. Et après ça, vous avez des choses comme LUTS et TrueCrypt qui permettent de chiffrer des fichiers ou voire même des disques durs sur votre ordinateur. Ou votre téléphone portable. Il faut le savoir. Il y a après, évidemment, tout ce qui est VPN, tout ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ça peut durer 2-3 heures et je crois que beaucoup de personnes vont faire des confs là-dessus ce week-end. Vous avez, après ça, les applications Android. Donc, je n'ai pas parlé de tout et donc je vais rester un peu. J'ai parlé de Tête Secure, d'Hostel, de CSIPSimple, de Jaberbot, d'Orbot. Je n'ai pas parlé de Droid Tracker. Droid Tracker, c'est pour le GPS. Et ça a plusieurs fonctionnalités très intéressantes. Ça permet, entre autres, de partager avec, on va dire, des amis, sa position GPS. En gros, alors, là, on ne va pas partir dans la paranoïa. Je pars en randonnée, mes parents veulent savoir où je suis. J'installe Droid Tracker sur mon téléphone et ils peuvent savoir où je suis. Autre chose, même si je n'ai pas envie de partager, on va dire en temps réel là où je suis, je peux donner l'autorisation à certaines personnes de pinguer mon GPS pour savoir où je suis. Donc ça peut être utile, par exemple, je pars en Afghanistan, dans des régions tribales, je suis journaliste, mon rédacteur en chef veut savoir où je suis. Il peut faire ça. Attention, ici il y a un GPS, ça veut dire qu'on peut savoir aussi où vous êtes. Réfléchissez 2 secondes, est-ce qu'il vaut mieux que mon rédacteur en chef soit au courant de là où je suis ou est-ce que le gouvernement en place doit savoir là où je suis ? Perso, le choix est très vite fait, mais ça peut servir.
Et le petit dernier, c'est Obscuracam, donc qui est, comme beaucoup de choses aussi, développé par The Guardian Project. Ça permet, donc là, c'est par contre orienté vraiment journalisme, ça permet de flouter automatiquement quelqu'un que vous êtes en train de filmer. Par exemple, lors d'une interview. La personne ne veut pas être filmée, c'est chiffré en natif. Donc vous aurez la reconnaissance faciale, ça va chiffrer automatiquement la tête, et du coup, dans les vidéos, c'est chiffré de base. Ça peut être aussi très très pratique. Les trois liens en dessous sont des choses que je vous conseille grandement d'aller voir. Vous avez donc le site guardianproject.info qui est juste hallucinant. C'est dans les applis en fait au-dessus, soit ils en ont fait la plupart, soit ils ne sont pas très loin derrière. Évidemment, toutes les applis qui sont là sont libres et évidemment non payantes. Je dis ça au cas où, mais évidemment. F-Droid, c'est un dépôt donc, que vous pouvez rajouter sur un téléphone Android, c'est que du logiciel libre. Donc si vous êtes, soit vous voulez vraiment du logiciel libre, soit vous êtes vraiment paranoïaque, il y en a. Donc soit vous allez compiler vos applications vous-même, vu que c'est du libre, vous pouvez, et au moins vous êtes sûr que personne n'a rien mis dedans que vous ne voulez pas. Soit vous pouvez par exemple prendre ça si vous ne voulez pas le market Google. Point bonus. Dans le dépôt donc F-Droid, vous pouvez rajouter le dépôt de Guardian Project si vous voulez les mises à jour pour les logiciels de Guardian Project. C'est assez utile. Là, la dernière URL est ma préférée de très très loin. C'est le wiki de Telecomits, donc c'est Crypto Anarchy. Je vous déconseille d'aller là-dessus si vous n'avez jamais touché à la crypto. Vous allez vous tirer une balle en vous taillant les veines, en vous pondant en même temps. Vous avez une liste, c'est en gros, pour faire très très simple, un gros bordel, plus ou moins rangé. Vous avez tout. Si vous cherchez un soft développé par un Ouzbek en Chine pour un Iranien dans les années 80, dans l'idée, vous avez de la chance de l'avoir là. Vous avez vraiment de tout. Il y a du grand public, il y a du moins grand public, il y a des trucs en bêta test, il y a des trucs dont vous n'avez jamais entendu parler, il y a des trucs dont vous n'entendrez jamais parler. Il y a des trucs qui un jour vous sauveront peut-être la vie, il y a peut-être le futur CCIP simple ou Hostel. Il y a vraiment de tout et c'est juste hallucinant. C'est la dernière slide. Et maintenant donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que quand je vais parler avec Alice, qui est donc quelque part en Syrie apparemment, encore une fois, je vais faire quoi ? Je vais donc communiquer avec elle en clair, parce que moi de toute façon je m'en fous, je suis en Suède, j'en ai rien à battre, c'est pas moi qui me ferai avoir. Est-ce que je vais réfléchir un peu et puis je vais mettre quand même quelque chose en place ? Est-ce que je vais, par exemple, je vais lui apprendre, parce que c'est aussi ça, ou peut-être qu'elle va m'apprendre, à utiliser un VPN pour ne pas se faire avoir par son FAI ? Oui, truc bête, quand vous utilisez un soft de chiffrement ou n'importe quoi, vous passez toujours par votre FAI. Pensez-y aussi. Quand vous communiquez en clair, quand vous êtes par exemple ici en ce moment et vous vous connectez à, alors normalement ils ne font plus, mais à Facebook en clair, quand vous mettez quelque chose via un serveur FTP en clair, genre votre mot de passe ou des choses comme ça, là ici, là tout de suite, je suis sûr que dans la salle il y a au moins une personne en train de scanner le réseau et de regarder ce qui passe. Et j'ai des noms en tête. Si, par le plus grand des hasards, vous avez un accès FTP, vous y êtes connecté aujourd'hui, changez votre mot de passe. C'est con. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous, il n'y a rien d'important dessus. Ouais, mais de toute façon, mon MSN, il n'y a rien dessus. Ouais, enfin, j'ai tout des contacts, j'ai rien à cacher, ma vie privée n'est pas importante. On en reparlera quand, par exemple, quelqu'un va rentrer sur votre compte MSN et vous faire passer pour un. C'est toi la conf de. Qui t'es toi déjà zoophile amateur de Tételmor. On en reparlera quand il y aura ça. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être journaliste, d'être crypto-anarchiste pour chiffrer. La vie privée, c'est ce que vous avez maintenant quasiment de plus important sur le net. J'en suis limite venu aux mains avec des potes en parlant de ça, parce que je me disais, ouais, mais je m'en fous de ma vie privée, c'est pas grave, j'ai rien à cacher. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez rien à cacher. Demain, peut-être que vous serez en danger de mort si vous ne chiffrez pas vos données. Ça a l'air con comme ça. J'ai des potes, je leur dis ça, ils me regardent avec des gros yeux, mais non, c'est n'importe quoi, la France, c'est pas une dictature, ça sera jamais.
Demain, on ne sait pas s'il y arrivera. Demain, peut-être que vous aurez des amis qui sont en Iran, qui sont en Chine ou n'importe où, et le seul moyen de les contacter, ça sera grâce à des trucs comme ça. Demain, peut-être que vous allez avoir un putain de dossier venant de votre boîte ou n'importe quoi, et vous allez devoir le sortir à des journalistes. Peut-être que demain, vous allez être journaliste, citoyen journaliste, on en parle de plus en plus, vous allez vouloir sortir quelque chose, parler avec des gens. Le premier truc que vous allez faire, bah c'est simple, ça va être Facebook et Skype, voire des mails non chiffrés. Pour les contacter, vous êtes 6 admins, vous avez les mots de passe de vos serveurs, vous les envoyez en clair par mail. J'en connais qui vous lapiderait pour faire ça. On peut commencer tout de suite, lever la main, c'est gratuit, on le fera joyeusement. Envoyer des mots de passe en clair par des mails, c'est la plus grosse connerie que vous pouvez faire. Dans l'idée, je parle avec Jordan, je lui envoie mon mot de passe en clair, de, par exemple, de CypherCat. Déjà, il m'en mettra une dès qu'il va me voir, il est capable de venir de Nice juste pour ça. Il faudrait que j'essaye, tiens, ça pourrait être marrant. Et surtout, s'il y a quelqu'un sur le réseau, pas forcément en train de nous écouter, nous deux, mais qui chope le mot de passe, il a accès à mon site et peut tout changer. Et évidemment, ça a repassé pour moi. Et c'est aussi ça le plus grave. Du coup, s'il envoie des liens à des têtes morts à Jordan, ça passera pour ma gueule. Donc, réfléchissez, ça semble con comme ça, chiffré, c'est chiant. Ouais, mais j'ai pas envie, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Skype. Ouais, et alors tout le monde sera sur Skype, tout le monde sera sur Facebook tant que vous y restez. J'ai fait l'expérience en BTS, j'ai décidé de quitter Facebook, j'ai raté quelques soirées parce que j'étais pas au courant. Maintenant, les gens savent que je ne suis plus sur Facebook. Ils me le disent. Je ne suis plus sur Skype. Alors, dans l'idée, j'ai un frère qui vient de déménager au Canada, j'ai une sœur en ce moment qui est en Israël et j'ai une petite sœur qui doit être en Roumanie. Tout le monde est sur Skype. Mes parents aussi. Je suis le seul à n'avoir pas de nouvelles. Et je me suis engueulé de nombreuses fois avec eux parce que je ne veux plus utiliser Skype. Je ne peux pas décemment cracher sur Skype si je l'utilise tous les jours. C'est comme si vous êtes en train de fumer, vous allez voir un mec et dis donc, le tabac c'est mauvais pour la santé. Ça ne veut rien dire. Il y a un moment où il faut faire un choix. Si je dis que la cigarette c'est mal, je ne vais pas fumer. Si je dis que Skype c'est de la merde, c'est dangereux, je ne vais pas l'utiliser. Si je dis que Ultrasurf c'est mortel, dans l'idée, si je l'utilise, c'est n'importe quoi. Réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous. Remarque, là, vous allez me dire, ouais, mais j'aime bien parler avec mes frères et sœurs. Ouais, peut-être pas le bon exemple. Réfléchissez quand même. Donc, on en revient. Si Alice essaie de me contacter, il y a Mini Géant qui est là. Je sais, on ne voit pas beaucoup. Qui va pouvoir écouter. Donc, je vais faire quoi? Je vais utiliser toi. J'ai plein de choses que je peux utiliser. Que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur Internet, que ce soit limite par courrier, vous chiffrez quelque chose, vous l'envoyez. Vous pouvez faire ça. Vous avez la clé publique de quelqu'un. Vous chiffrez votre message sur votre ordinateur. Vous l'imprimez. Vous l'envoyez par lettre. La personne reçoit. La scanne. Après ça, va dire à son ordinateur donc, de reconnaître tous les caractères parce que tout seul, ça va être chiant. Et le déchiffre, c'est aussi possible. C'est pas que par Internet. Le meilleur moyen... alors, en gros, on va parler des... groupe terroriste dans le Sahara, pas d'internet, pas de radio, nada. Le meilleur moyen, c'est de passer de main à main. Ça prend plus de temps, mais au moins, c'est sûr. Et si c'est de main à main, je sais que c'est la bonne personne à qui ça arrive. Ça ne va pas être, ouais, je suis à l'autre bout du monde, je ne sais pas à qui ça arrive, mais au moins, c'est arrivé. Donc, encore une fois, ça doit être la quatrième, je crois, réfléchissez. Et sur ce, c'est la fin de la conf. Et maintenant, les questions. Alors, juste un truc, je suis absolument pas expert en cryptographie. Donc, je ne rentrerai pas dans des débats techniques, qui en plus peuvent durer 2 heures. Et soyez sympas, on va éviter les trolls aussi. Alors, un petit troll, d'accord, mais pas trop. Jordan, lâche ce micro. First. Oui, tout à l'heure, tu disais, par rapport à AES, je crois, que ça... Le fait qu'il soit même massivement utilisé le rendait fiable.
Alors justement, j'ai mis un petit point bémol à côté en disant ce n'est pas parce que c'est massivement utilisé que c'est fiable. Oui, parce que c'est mieux. C'est, enfin, dans l'optique de la cryptographie et du chiffrement, c'est un peu mieux que ce soit massivement utilisé, parce que si c'est massivement utilisé, normalement c'est aussi nettement plus audité. Donc oui, c'est pas parce que dans ce cas on peut faire le parallèle avec Facebook, c'est pas parce que Facebook est massivement utilisé que c'est une bonne chose. Non, je pensais surtout au web en fait. Oui, aussi. On a dit pas de troll. Oui, mais je t'écoute pas. Et tu, il y a d'autres questions. Désolée d'avance, c'est ma question idiote. Logiciel. Il n'y a jamais de question idiote. Ouais. J'ai déjà oublié le nom avec le bouton panique. Quand tu appuies sur panique, ça envoie un SMS de 45 secondes et ça efface les données sur le téléphone. Comment ça peut faire les deux en parallèle ? Comment on peut faire les deux ? Mais comment ça peut faire les deux en parallèle si ça efface aussi les contacts, ce genre de choses-là et ça envoie le SMS d'abord et enfin. Oui, mais si ça envoie un SMS sur les 45 secondes et que ça efface les. Ah, ça, c'est pas con, j'ai jamais pensé à ça, tiens. Ah, ouais. Alors, petite note, vous voyez, c'est justement pour ça qu'il faut en parler. Ça semble con, mais on découvre des choses. Donc, à deviner comme ça, je dirais que, par exemple, les 2-3 adresses que tu as mis dedans restent. Ça envoie et ça efface, ou je sais pas quoi. Ben non, il faut les récupérer justement dans ce cas-là. Non mais donc tu vois, c'est une question très intéressante. Bah, surtout que ça veut dire que si les contacts restent dans le téléphone, ce sont les contacts qu'on considère comme le plus important et c'est un peu les informations à virer en priorité. Donc. Alors, j'ai essayé le SMS Emergency, j'ai pas essayé le Wipe parce que j'aimais bien mon téléphone à ce moment-là. Si vous voulez faire une sauvegarde, vous pouvez essayer si vous voulez. On verra ce que ça donne. Mais tu vois, il n'y a jamais de question bête. Et il vaut mieux passer pour un con pendant 3 secondes que mourir idiot. Aïe. Ouais. J'ai noté plusieurs trucs. Du coup, j'ai plusieurs remarques et questions. Juste, tu parlais de chiffrement sur la fin quand tu as dit réfléchissez. Donc, je suis complètement d'accord. Je voudrais juste rajouter une image. Quand vous ne voulez pas que le facteur lise votre courrier, vous mettez une enveloppe, quoi. Oui. Voilà. Juste ça. C'était juste pour l'image en plus. Sinon, sur Ultrasurf, en fait, tu as raison sur le principe, mais dans les faits, en Syrie, il y a encore pas mal de gens qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé, et dans les faits, ça a quand même plutôt bien marché. C'est-à-dire que, à ma connaissance, enfin, si tu veux, à la limite, s'ils se font espionner par la CIA, le mec random en Syrie, enfin, il s'en fout, en fait, complet. Tu vois ce que ça, je veux dire? Oui, non, mais, ça évidemment. Mais ça, sur évidemment. Le principe, je suis complètement d'accord avec toi. C'était juste pour nuancer la... Je disais que moi, ça faisait un moment que je l'avais vu. En BTS, j'avais des personnes dans ma classe qui l'utilisaient pour passer le proxy du bahut. À ce moment-là, je n'ai pas pu l'utiliser. J'étais sous Linux, c'est un soft pour Windows. Je me disais, oh merde, c'est chiant, je ne peux pas passer le proxy. Un an après, j'ai vu la sortie de Touf, j'ai vu le rapport d'Applebaum et tout ça. Je suis super content. Et comme toi, Linux peut sauver des vies. Ah merde, on avait dit pas de troll. Tu voulais réagir à ce que je dis, du coup ? Juste vite fait pour compléter ce que disait Keops. En fait, l'histoire d'Ultrasurf en Syrie, c'était juste qu'un an avant la révolution, Facebook n'était pas accessible. Et donc, dans les cyber, en fait, ils nous faisaient mettre Ultrasurf. Lancer Ultrasurf pour pouvoir se connecter à Facebook. Et c'est pour ça que les Syriens étaient aussi attachés à ce logiciel, parce que justement, ils s'en servaient tous les jours. C'est ce que tu disais par rapport à MSN, etc. Quand tu l'utilises tous les jours, au bout d'un moment, tu prends des habitudes d'eux. Et... Alors, j'ai oublié de parler d'un truc, je viens de tilter. Je vous parlais d'empreintes tout à l'heure, en disant que ça servait à vérifier quelque chose. Quand vous allez sur un site en SSL, vous avez un certificat. Quand vous cliquez sur le certificat, vous avez l'empreinte du certificat, ce qui permet de vérifier que vous êtes sur le bon site. Quand, et ça s'est vu en Tunisie, ça s'est vu en Libye, et ça, je crois que ça s'est vu en Syrie aussi, quand vous vous connectez sur Facebook, vous dites « Ouais, je suis connecté, je suis sécurisé, c'est bien », vérifiez que vous êtes sur le bon site, parce que ça peut être une façade. Ça semble con comme ça, hein. Mais quand vous perdez vos contacts, quand une dictature à attirer à votre compte ou des choses comme ça, faites gaffe.
vérifier. Alors, sur le coup, ça semble super lourd. Si vous vous amusez à vérifier à chaque fois le site sur lequel vous allez, en plus, évidemment, il faut avoir la bonne empreinte. Donc, par exemple, pour Télécommit, vous pouvez vérifier que vous êtes sur le bon site, sur le bon réseau IRC ou des choses comme ça. Donc, et par exemple, vous allez sur le site et vous avez voilà, l'empreinte et ça. Donc là, c'est facile à vérifier. Vous êtes, par exemple, en Syrie maintenant, vous allez sur Facebook, vous prenez l'empreinte et vous faites « Ok, celle-là, c'est la bonne empreinte. » Bah, rien ne peut vous le prouver. Encore une fois, vérifiez. Si vous avez des contacts à l'extérieur, demandez si c'est la même empreinte, par exemple. Voilà. Je finis tout ce que j'ai noté, après je vous laisse tranquille. Un point qui est nettement plus technique pour les gens qui connaissent un peu SSL, puisque tu as parlé des différents algos de chiffrement. Moi, j'ai remarqué un truc récemment qui m'a un peu fait flipper sur la lib OpenSSL. Ce qui est que, je pense que certains savent que dans une session SSL, au début, il y a un échange de clés, qui sont des clés qui sont censées être éphémères, pour que, en gros, même si la clé RSA privée du serveur est compromise à un moment donné, si le trafic a été monitoré, on ne puisse quand même pas le déchiffrer. C'est le principe de l'échange de clés Diffie-Hellman. Voilà, c'est le DH qu'on voit dans le, enfin DHE dans les chaînes qui correspondent aux algorithmes de chiffrement. Ça, c'est plus un appel pour ceux qui connaissent ça. OpenSSL a fait un saut de version entre 0.9.8 et 1.0. Et il se trouve que moi, j'ai fait des petits tests. J'ai un client qui est en 1.0 passé et un serveur en 0.9.8. Et l'algorithme sur lequel ils se mettent d'accord pour chiffrer la session n'a pas d'échange de clés Diffie-Hellman, n'a pas d'échange de clés éphémère. C'est-à-dire que si le trafic est sniffé et que la clé privée du serveur est compromise, à n'importe quel moment plus tard, le trafic peut être déchiffré. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a qui sont bien là en calé en SSL. Moi, je vous invite à regarder ça parce que je viens de mettre le doigt dessus et à mon avis, il faut jeter un œil, quoi. C'est un problème de compatibilité entre OpenSSL 0.9.8 et 1.0, en gros. Et du coup, tu as parlé de Mumble. Ah, juste comme ça, profites-en pour parler du Man in the Middle sur SSL, sur les serveurs Facebook en Tunisie. Ouais, ça peut intéresser du monde, quand même. Bon, alors, oui, un détour rapide. Le Man in the Middle, ça s'est passé en Iran, surtout. Le meilleur exemple, c'est l'Iran. C'est-à-dire que les gens accédaient à Facebook, ils pensaient qu'ils étaient en HTTPS, donc sécurisés. Et en fait, au milieu, il y avait un serveur donc, des autorités iraniennes avec un faux certificat SSL, mais qui ne faisait pas de warning dans Firefox parce qu'il y avait un gars iranien qui avait réussi à générer des certificats Facebook auquel Firefox faisait confiance parce que c'est l'affaire de DigiNotar ou je ne sais plus trop quoi. Je crois que c'était en Tunisie avec Microsoft qui avait autorisé les certificats racines. Ou en Égypte, je ne sais plus. Ouais. Ah, c'est peut-être en Égypte. D'accord. Je sais plus. Donc encore une fois. Pour revenir aux empreintes, en fait. Voilà, encore une fois, c'est pas parce que vous êtes en SSL que vous êtes protégé. Vérifiez. C'est chiant, la crypto. Hein. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Et donc, je finis sur deux choses. Vas-y. J'étais sur le SSL, donc on a parlé de Mumble. Mumble, justement, n'implémente pas. Le serveur Mumble n'implémente pas, en général, l'échange de clés Diffie-Hellman dans les sessions SSL. Et la conversation peut être enregistrée aussi. Et donc, si la clé du serveur est compromise, c'est un gros problème, en gros. Et ça, c'est dû à la librairie Qt qui ne gère pas ça, en gros, parce que Mumble utilise Qt, bref. Et tu as parlé de Skype. En fait, Skype, il y a un autre gros problème, et en fait, c'est tous les trucs où on s'inscrit, où on s'enregistre avec un login et un email, en fait. Outre le fait que ça puisse peut-être être écouté, Skype, on ne sait pas trop encore. Il y a eu des plugins pour le DPI, il me semble, quand même, qui ont été sortis. C'est possible. Moi, j'ai rien de franc, j'ai pas de réponse. Il me semble que Touffe avait sorti quelque chose de dangereux. Il faudrait lui demander. Ça devait être en Syrie, je crois. Donc, un système de DPI, c'est le Deep Packet Inspection, qui permet en gros de voir ce qui passe sur le réseau en profondeur. Et la boîte qui s'occupe de ça avait par exemple un plugin pour Skype, donc qui permettait d'écouter ce qui se passait dans Skype. Alors, c'est à vérifier. Et en fait, de façon plus générale, éviter les trucs où on s'inscrit, quoi. Évitez juste les outils où il y a besoin de créer un compte. Voilà. Évitez les outils où on a une liste d'amis, quoi. La liste, vous la gardez chez vous, et puis c'est tout, quoi. Je parlais de Cryptos Communication tout à l'heure. Vous êtes obligé de vous inscrire. C'est-à-dire que Cryptos a une liste de personnes qui utilisent ses services. Et potentiellement une liste de personnes que vous appelez.
Vu que de toute façon, il a votre identifiant et celui de la personne d'en face. Donc, il suffit que la NSA, enfin la CIA arrive, ouais, voilà, on aimerait savoir à qui lui il a parlé. Et il sait, même s'il n'a pas accès à votre conversation, il sait à qui vous avez parlé. Il y a plus simple que ça. Il suffit qu'un Syrien se fasse torturer pour que les services lui piquent son mot de passe Facebook ou Skype. Donc ça arrive, on va dire, tous les jours en Syrie. Et ensuite, ils se servent de ça. Ils utilisent le compte Skype. Ils diffusent un malware au contact du gars. Le malware permet d'espionner les gens qui ont fait « Ok, vu que ça vient d'un de mes contacts, je vais ouvrir ce logiciel. » Et ensuite, ils espionnent 20 ou 30 personnes et ils continuent comme ça. Voilà. Il y avait une BD, je crois que c'était Digital CD, comme ça, où il y avait deux personnes. « Bon, écoute, on va lui voler son mot de passe, on va rentrer dans sa session, on va faire ça, machin, et puis là, on va passer par là. » Et puis l'image d'après, c'était « Non, attends, j'ai une meilleure idée. » Le mec, il prend un pied de biche, il chope le mec, bam, dans le genou, il lui prend son mot de passe. Pensez à ça aussi. C'est ce qu'on voit dans les films, c'est rarement ce qui se passe dans la réalité. Il y a un très très bon film où le héros est un hacker. Il arrive devant une porte et puis il fait « Mon Dieu, elle est verrouillée, je ne sais pas comment passer. » Il appelle son pote et là il y a donc un autre pote derrière qui fait « Attends, j'ai un rapport là-dessus qu'un pote m'a envoyé, il a fait l'Iran, je me rappelle. » Et donc vous voyez le héros au téléphone qui fait « Ouais, ok, je vois, j'essaye. » Pah ! Ok, ça marche. Parfois, il y a plus rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, toi, t'es privé. Un troll sponsorisé par Okin. Donc oui, chiffrer, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où utiliser un chiffrement te met en danger ? Alors, merci de me le rappeler, justement. Il y a un truc aussi, et c'est pour ça que je vous disais que chiffrer, c'est important, c'est que si vous chiffrez seulement quand vous en avez besoin, ça se voit. Vous avez toujours du trafic clair, et puis un jour, il y a un truc chiffré qui passe. Sans doute, dans ce truc chiffré qui passe, il y a quelque chose qui est intéressant à savoir. C'est là où on parle, par exemple, de crypto-anarchie. Chiffrer tout le temps, n'importe où, tout. Vous invitez un pote à déjeuner chez vous, c'est chiffré. Vous lui envoyez les plans d'un missile nucléaire, c'est chiffré. Ça ne se verra pas. Si vous êtes le seul à chiffrer, ça va se voir aussi. L'exemple de la Syrie, vous êtes le seul à chiffrer, vous avez une certaine chance d'avoir une descente chez vous. Toute la population chiffre, ça se voit, enfin, ça se voit pas, ça se voit, mais tout le monde fait pareil. Numandil, question. Précision juste pour Skype de mémoire, il y a deux passages qui sont passés. Le premier, c'est sur des interceptions qui avaient été faites, il me semble, sur IO Error. Je suis plus certain, je crois que c'est lui, de mémoire. Et Microsoft l'avait annoncé en reprenant le logiciel qu'ils allaient développer et premièrement un système d'interception légal et que les premières failles n'allaient pas être patchées. Et il y a déjà eu des leaks de. Si, c'est ça, c'est IO Error a été arrêté. Et quand il a été arrêté, il y a eu des leaks de communication qu'il avait eu sur Skype, justement. Oui, et Skype a implémenté... Skype a été racheté par Microsoft dernièrement, ça vous devez tous le savoir. Et Microsoft a implémenté le wiretapping dans Skype. Donc ça permet en fait aux autorités d'écouter et d'enregistrer vos conversations. Ah. Et perso, juste pour ça, je n'irai pas sans Skype. Ouais, y a eu ce premier point donc, d'interception légale. Et pour le deuxième point, sur la crypto-anarchie, je tenais une représentation tout à l'heure à une personne, je ne sais plus qui. Vous avez un énorme tableau blanc qui représente... c'est à vous, qui représente les communications, ça c'est vos communications. La crypto-anarchie, c'est le fait, enfin, la crypto normale, si vous êtes tout seul à chiffrer, ça se voit vite parce que vous êtes une petite tache noire sur ce tableau blanc parfait. La crypto-anarchie, on passe tous en noir, donc on ne peut plus rien écouter. C'est bien. Et ça fait très 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 peur aux services de renseignement. Aux États-Unis, il y avait eu un projet de Hadopi, en gros, et la NSA est intervenue en disant non, faites pas ça, on ne pourra plus rien écouter, c'est pas une bonne idée. Et il n'y en a pas eu. En France, il y a eu la même chose. Bizarrement, c'est passé. Juste pour l'info, à quel point c'est dangereux de. Alors, sans troller ou sans, en espérant ne pas dire de bêtises. Quand on commence comme ça, souvent, c'est mal. Ouais, je sais. Quand on utilise au moins GPG sur ses mails, on a directement sa petite fiche aux renseignements généraux. Juste avec un petit soft. J'ai réussi. Ouais, pareil. Quelqu'un d'autre a une question, je crois. Oui, c'est une question sur un projet qui s'appelle la Freedom Box,
parce que justement, vous parliez des outils qui sont archi grand public. Donc, c'est un premier niveau de gros doutes, les Facebook, Skype, etc. Ensuite, vous êtes en train, vous, de populariser, c'est-à-dire d'essayer de donner finalement de l'audience à des outils qui sont cryptiques, dans le sens utilisés par très peu de monde. Et au milieu, vous êtes en train de faire la promotion de la crypto-anarchie, c'est-à-dire de faire gagner un marché qui serait intermédiaire, une sorte de masse critique de l'utilisation. Et ces gens-là veulent fabriquer une espèce de box qui, à la limite, s'achèterait à la FNAC pour 19,99 €. Non, mais... Ouais, Freedom Bots, pas trop. Hein, mais... Non, mais... Oui, non, mais est-ce que c'est l'idée d'un produit? Alors, comment vous imaginez, est-ce que c'est très utile? Est-ce que ça a du sens? Alors, alors, oui, ça a du sens. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut... Enfin, il y a plusieurs choses à noter, on va dire. Parce que la Freedom Bots, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le premier projet, en gros, c'était vous la mettez chez vous, ça vous permet de communiquer avec les Freedom Bots à côté, ça permet de contourner la censure en passant de Freedom Bots en Freedom Bots, et ainsi de suite. Il y avait, je crois que c'était Jacob Applebaum, mais je ne suis pas sûr, pour lui, le projet, c'était vous faites un conteneur de Freedom Bots, vous les parachutez au-dessus d'un pays, d'une dictature, comme ça tout le monde peut se servir, et de base, vous avez du chiffrement, vous avez du Tor, vous avez n'importe quoi. Pardon, vous avez tout, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut déjà définir ce qu'il y a dans la Freedom Bots. Alors, la Freedom Bots sont elles-mêmes vendues à la FNAC, non. Là, juste ça, moi, pour moi, il y a un problème. Par contre, il y en aura un jour, ça sera sans doute pas très connu, comme de toute façon, tous les vrais outils, on va dire. But ça ne doit pas être commercial. Le jour où ça va commencer à devenir commercial, il y aura un problème. Mais... Alors, diffusé, mais pas commercialement. Alors, enfin, ça peut être vendu, mais pas dans le but premier de se faire de l'argent. Oui, il faut le dire aussi. Le concept en lui-même est très très bien. Mais il y a des gens en France, pardon, je suis un peu intéressé, savoir si en France il y a des gens qui. Alors je ne sais pas, mais par contre, s'il y a normalement une liste de discussion, c'est basé sur du Debian, si je me rappelle bien. Donc tu cherches Freedom Bots sur le net et normalement tu auras de quoi faire. Il n'y a personne dans cette salle qui travaillerait là-dessus, par exemple. Il y en a sans doute qui s'y intéressent. D'accord. Mais qui en font partie. Au Chaos Computer Camp, l'année dernière, on avait vu, je crois que c'était le développeur qui était dessus. Le mec bossait 23 heures sur 24 à peu près dessus. En gros, il nous disait de sa copine, venez de l'arracher pour qu'il mange et il y retournait directement après. Et c'est lui qui s'occupait de tout centraliser. Donc de récupérer les patchs, de faire les installs, machin. Et c'est un boulot de malade parce que chacun veut, tu vois, mettre son truc. Oh, moi j'aimerais bien ça, oh, moi j'aimerais bien ça. Ouais, mais on pourrait avoir la télé aussi dessus. Oh, et puis il y a ça. Bah non, attendez, c'est pas fait pour ça, les mecs. Donc je peux pas t'en dire plus. Le projet existe. S'il est mené à terme, et il sera mené à terme parce que ça devient de plus en plus une nécessité, ça va être un truc de malade. Après ça, il faudra voir comment c'est foutu. Je crois que j'ai pas trop répondu à ta question, mais je peux difficilement t'en dire plus. Tu voulais rajouter un truc, non dessus? Y a-t-il d'autres questions? Il y en a encore une derrière. Peux-tu passer le micro, s'il te plaît? Tout à l'heure, tu as parlé des problèmes des tiers de confiance dans tout ce qui va être SSL et, disons, gestion de clés asymétriques. Donc avec notamment DigiNotar, mais on pourrait citer Komodo aussi. Aujourd'hui, enfin... Clairement, le problème, c'est que n'importe qui se fait piquer son certificat de signature, et il y en a beaucoup, peut générer des certificats pour n'importe quel site en SSL et ce sera reconnu par n'importe quel navigateur. Qu'est-ce qu'il y a comme solution alternative? Ou alors, est-ce qu'il y a des projets pour protéger un peu plus facile, de c'est de faire son certificat soi-même, évidemment. Le problème, c'est que les navigateurs, en gros, ne le reconnaissent pas. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives sur le site, il faut autoriser le certificat. Et souvent, ça fait peur aux gens. Parce que ce n'est pas comme d'habitude. Ça, c'est le plus facile. Mais là, on tourne un peu en boucle, parce que le principe des tiers de confiance, c'était justement de permettre dire que ce certificat va bien à ce site-là. Donc, au final, on retourne en mode manuel. Tu as un projet que je connais absolument pas, mais je pense que certaines personnes le connaissent. Mieux, c'est convergence.io. Je sais pas si quelqu'un connaît, peut-être en parler. Oui, convergence. Je m'y suis pas, j'ai pas testé vraiment parce que je crois qu'à l'époque, la donne n'était pas dispo pour ma version de Firefox.
Par contre, j'ai initié un projet qui est un peu dans la même idée, qui est de changer le modèle de trust de SSL, qui actuellement est complètement pourri parce qu'il nous force à faire confiance à des autorités qu'on ne connaît pas et qui sont nazes, généralement. L'idée, c'est d'implémenter le système de confiance d'OGPG, c'est-à-dire par le réseau, dans le SSL. C'est-à-dire, basiquement, tu choisis à qui tu fais confiance, qui fera confiance à d'autres, etc. Et chacun signe ses propres trucs, quoi. Et à partir de là, selon la chaîne de confiance que tu as vers un certificat précis, tu peux déterminer s'il est bon ou pas. Et ça permettrait d'une part de choisir en qui tu as confiance, d'autre part d'avoir plusieurs signatures pour un même certificat. Actuellement, avec le SSL, c'est pas possible. Exactement. Les discussions techniques, c'est après la conférence. Sinon, on peut durer très longtemps. Y a-t-il d'autres questions encore ? Il y en a encore une. Ah oui, l'idée de dire ça s'étendra jamais au grand public, c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est ça va prendre du temps, mais on va tellement les saouler avec qu'ils vont s'en souvenir. Ouais. Ça a l'air con comme ça, mais quand tu commences à dire ouais, mais ils comprendront jamais, tu vas pas essayer de leur apprendre. Le jour où tu commences à leur apprendre, ils vont faire ah, je comprends pas. Tu fais c'est pas grave, je vais te réexpliquer. Et puis au bout de 10 fois, bon, toi tu vas en avoir marre, mais la personne, de toute façon, aura le cerveau qui commence à fondre. Et là, tu remplaces le cerveau. Et là, elle commence à comprendre. Vas-y. Bonjour. J'ai une question très simple. Le fait que tu chiffres avec un truc très grand, une clé qui dépasse 2048, par exemple. Par exemple, moi, je vais communiquer avec mon frère. Je vais générer 2 clés qui dépassent le seuil autorisé par le gouvernement. Demain, je vais avoir un problème. Alors, Comment ça dépend des gouvernements. Généralement, les gouvernements qui ont la possibilité de déchiffrer cette taille, ils vont toujours limiter pour dire, est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'ils ont la technologie maintenant ? C'est là que tu peux faire des trucs marrants. Par exemple, tu chiffres ton fichier avec une clé de 4096 et tu le rechiffres avec la clé autorisée. Sinon, oui, ça pose problème dans certains pays. C'est évident. Et là, c'est par exemple à toi de faire ton choix. En France, normalement, il n'y a pas de limite de clés. Donc, tu peux avoir des clés de longueur infinie. Par contre, si, l'autorité judiciaire te demande ta clé, normalement, tu es obligé de la donner. Après ça, c'est à toi de voir si ce que tu as chiffré mérite de donner ta clé ou de passer 10 ans en prison. Ça a eu lieu aux États-Unis, c'était un mafieux qui s'est fait choper, il avait un conteneur TrueCrypt, il a été obligé de donner sa clé, et il ne l'a pas donné, il a préféré aller en prison. Donc là, voilà, c'est... En chiffres ou en... Bah, oui et non, parce que tu peux chiffrer à partir d'un certain niveau, et c'est pareil, si tout un pays, par exemple, c'est limité à 1024 bits, et tout un pays chiffre à 4096... Alors, de toute façon, le gouvernement pourra venir te faire chier en disant « Ouais, mais toi, t'as chiffré comme ça ». Mais de toute façon, s'ils arrivent à un niveau comme ça, même si tu as chiffré à 1024, ils auront quelque chose pour te faire chier. Donc, la plupart des personnes, le simple fait de chiffrer, de toute façon, c'est étrange. Normalement, vous n'avez pas besoin. Donc, ça peut se barrer très loin. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, aux États-Unis, on doit prouver son innocence. En France, on doit prouver... on n'a dit pas de troll. On doit prouver, procureur doit prouver que tu es en tort. Juste comme ça, on est présumé innocent. Je te rappelle qu'avec la première version de l'adoption, on était présumé coupable. Dans le. C'est pareil, ça peut sembler con. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Vague, qui n'a rien à voir avec la crypto, mais on voit en une semaine un État fasciste se créer. Une semaine avant, vous parlez de ça, ça semble impossible. Une semaine après, vous avez un gouvernement fasciste au pouvoir. Je reviens à tout à l'heure. Aujourd'hui, vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a aucun problème. Demain, ça se trouve, le simple fait d'être informaticien ou d'être à PSES, ça peut être un crime. Voilà, d'ailleurs, nous saluons les messieurs de la DCRI dans la salle. Normalement, ils sont au-dessus, en fait. Oui,
Ouais. Pour ceux qui ne sont pas sur IRC, le breaking news, l'appel de Julian Assange a été refusé et son extradition vers la Suède est confirmée. Il voulait pas faire un recours. Bon, non, pardon. Ça l'a refusé. D'autres questions ou pas? Et pas sur Assange, je ne répondrai pas. Non, c'est bon? Encore? Je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui ai du retard, hein, c'est le Lightning Talk qui était avant moi. Je voulais juste savoir, tout à l'heure tu as parlé d'un site que tu faisais où tu expliquais les sigles comme OTR, est-ce que tu peux redonner l'adresse s'il te plaît? C'est cypher4.eu. Alors attends, je vais même faire mieux. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas sur IRC. Voilà. C'est donc ceci. cypher.eu. Et si vous avez des retours, des modifications, des choses comme ça, je suis ouvert. Je crois qu'il y avait une autre question. C'était par rapport justement à si on est les seuls à chiffrer, ça se voit. Est-ce que la stéganographie dans tout ça, ça marche pas, c'est juste rigolo, on s'envoie des trucs planqués ou... Alors, là c'est pareil, il y a plusieurs choses. Oui, ça marche, ça dépend ce que tu veux faire. Avec le nombre d'images qui passent sur Internet, ça peut passer. Par contre, il me semble que je lise des choses pour voir s'il y a des choses cachées dans une image. Donc perso, je n'irai pas dessus, quoi. Mais c'est toujours pareil, ça dépend de quelle information tu as à passer. Si c'est pour inviter un pote à manger, oui. Si c'est pour inviter Assange à manger, non. Non, c'est toujours pareil, il faut voir tu veux à quel niveau. Perso, enfin, là, je m'y connais vraiment pas des masses en Stegano, donc je vais pas dire oui ou non. Mais si je dois choisir entre crypto et Stegano, je prendrais la crypto. Bah, disons que la Stegano que je connais, moi, c'est effectivement planquer des choses dans des images, mais on sent que pour une conversation en temps réel, ça peut pas marcher. Oui, après ça, si tu as par exemple 3 lettres à passer, oui, ça peut. Et le mieux dans ce cas-là, si c'est 3 lettres, c'est pas de la, tu fais pas de la Stegano avec un logiciel. C'est t'envoies un dessin et tu le mets limite à la main. Il y a déjà moins de chances que ça se voit. Et j'avais aussi vu un. Alors ça fait longtemps, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais un truc qui permettait de faire en fait des réseaux privés. Et qu'il y avait une option où en fait ils saturaient d'envois de chiffres aléatoires pour planquer justement les choses. Alors ça c'est normalement l'architecture de Wikileaks. Donc on va parler après. Normalement, si je me rappelle bien, entre différents serveurs, il y a toujours un flux de la même taille. Et donc quand il y a un paquet, un vrai paquet on va dire qui passe, le flux est toujours de la même taille. Donc on ne peut pas savoir quand c'est envoyé. Et c'est super pas con. Du coup tu as toujours un trafic. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un gros truc. Mais vu que ça passe toujours, tu ne sais pas quand tu as de l'info qui passe ou pas. Donc oui, c'est vraiment une très bonne idée. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y en a une cachée derrière le mur, là-bas. Ah, prends le micro. Hein, oui, je vois en travers des murs. Le bouton est en dessous du micro. Voilà. La question est toute simple, en fait. Les autorités judiciaires peuvent nous forcer à, soi-disant, donner une clé. Maintenant, si on déclare avoir envoyé un morceau de dev random à son copain pour évaluer l'entropie. Eh bah, t'es dans la merde. Alors, je suis d'accord, t'as le droit, tu peux, mais par contre, faudra le prouver. Le déni est plausible, mais le seul problème, c'est que ça dépend ce que tu as fait. C'est toujours pareil, tu as envoyé l'archive de l'algo ultra top secret de Dassault à Wikileaks. Tu auras beau dire ça aux flics qui vont arriver chez toi, je crois que ça passera pas. Ouais, non, mais en fait, c'est un truc de 1024 chiffres, je ne me rappelle plus. Ah, pas de ça, tu nous le dis. Je ne me rappelle plus, en prison. C'est un problème d'état policier. Aux dernières nouvelles, il y a encore une institution judiciaire théoriquement indépendante. Mais bon, oui, mais ça dépend des affaires. D'accord. Ah, alors en parlant de crypto, je ne sais pas. Le truc, en fait, c'est que même si tu l'as vraiment oublié, tu ne peux pas le prouver. Et donc, tu auras des emmerdes. Le truc, c'est que tu arrives à prouver que tu l'as oublié. Mais oui, je vous promets, monsieur l'agent, j'ai oublié, c'était 0... Non, je ne me rappelle plus. Je ne suis pas sûr que ce soit fiable, en fait. Donc,
Ah, attendez, si Yared Fraisse peut répondre. Il répond ou pas du tout? Ah bah voilà. Modmi, t'es peut-être le dessinateur officiel pour PSES, mais IRC, tu peux t'en passer. Hein. T'as déjà 3 ou 4 confs avec tes dessins dedans. Bon, alors, en même temps, normalement, Yared Fraisse fait une conf dans ce week-end, donc on pourra lui demander en live. Donc si t'es là, tu pourras lui demander. Et pareil. Y a-t-il d'autres questions encore? Je crois que le conférencier d'après va me taper dessus, mais... Non, c'est bon ? Eh bien, dans ce cas-là, merci à tous.